Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. L'émission de ce matin va être surtout centrée sur le passage, sur l'éclipse de lundi prochain, lundi 21 août. Avec nous sur le plateau de la rubrique, le PDG de Belle Optique, Georges Hudicourt. Monsieur Hudicourt, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, bonjour Wendel, merci de l'invitation. Je salue les auditeurs, les téléspectateurs de Métropole. Et je suis là ce matin, oui, c'est une, on a l'occasion ce matin de parler des lunettes. Des lunettes, évidemment. Mm-hmm. Et avec l'éclipse qui s'amène lundi, on pourra parler un petit peu de l'éclipse. Oui, disons que l'occasion. Dans la mesure de mes capacités. Oui, alors disons que l'occasion est tout indiquée pour parler de l'éclipse. Mais pour parler des yeux et pour parler de la protection des yeux aussi. La protection des yeux. Alors, mais juste avant, permettez que j'accueille le docteur Delijac, qui est ophtalmologue. Et avec lui, même ne pas laisser qu'on plus, parce que moi, c'est que auditeur et téléspectateur Métropole, il y a besoin qu'on ait un peu plus sous dégâts que l'éclipse est capable de faire, bien entendu, avec nous qui a retourné sur le comportement des Haïtiens en 1998, lorsque nous avons eu la dernière éclipse qui est passée dans le pays. Hein. Alors, docteur Delijac avec nous. Docteur Delijac, bonjour, vous êtes ophtalmologue, vous acceptez de parler avec nous? Bonjour, monsieur Wendel, et bonjour, monsieur Edico, et ma salue tout auditeur et téléspectateurs Radio Métropole. Nous reconnaissons recevoir très bien, monsieur Wendel. Très bien, nous recevons très bien. Alors, dis-nous, il y a des informations qui sont disponibles, que un peu le monde connaît déjà, mais ou même, qu'est-ce qu'il y a en plus pour capable ajouter par rapport au comportement au monde doit gagner pour yeux pas affecté. Est-ce que c'est vrai que le monde capable aveugle si vous regardez le soleil en jour ça? Et merci encore une fois à monsieur Wendel pour cette opportunité. Et l'important pour me faire une petite précision juste avant moi rentrer dans la question éclipse solaire là, l'important pour nous dire population que garder soleil, fixer soleil, un paquet anomalie li capable entraîner danger en dehors de question éclipse solaire là. D'ailleurs, en plus fois et moi qu'on recevoir patients dans clinique et Catherine docteur Delijac et moi gain un petit chien dans yeux. Donc, alors, jusqu'à présent, scientifiquement, donc, ça nous est les prévisions. Donc, il remarque que une exposition prolongée au soleil, les constituer, et on peut dire, une principale facteur de risque, maladie, ça, que nous les chaînes en jeu, au moins, prévision. En dehors de ça, il explique que une exposition prolongée au soleil, les capables d'entraîner une ophtalmie, une brûlure oculaire, les capables d'entraîner une kératite glazia infectée. Donc, pour citer ça seulement. Donc, il faut me dire, mes amis auditeurs, ce n'est pas seulement pendant l'éclipse, il n'y a pas supposé fixer le soleil. Là. Il y a un monde qui prend habitude à fixer le soleil, il pourrait développer à la longue une cataracte prématurée. Il est capable de développer des maculopathies solaires, il est capable de développer tout, il y a une maladie qui est très grave dans la rétine, que est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc tout ça, M. Dilayo, il est capable d'entraîner également par éclipse solaire, hein? Mais ce n'est pas seulement pendant éclipse solaire, hein, pour qu'on ne soit pas capable de regarder et pas garder, pas fixer le soleil. Pendant l'éclipse, là, il est beaucoup plus grave, M. Wendel. Pour qui ça? Parce que lorsque un monde lui-même lui lève tête, lui regarde le ciel là, lui regarde le soleil là, eh bien, rayon ultraviolet, rayon UV, rayon infrarouge, il a entraîné un éblouissement qui fait que très rapidement, mon nom obligé
On a obligé, par contre, soit perdu, monsieur Wendel. Très bien, moi, je parle, n'attendo. Très bien. Il y a des gens qui ont gardé le soleil là lorsque il y a une éclipse. Donc, dans le cas, il y a des gens qui ont éblouissement. Et puis, il est obligé de mettre à terre parce qu'il n'y a pas qu'à continuer à garder. Donc, ça veut dire là, bon signal d'alerte, un signal pour le protecteur. Mais ça, plus grave, c'est parce que lorsque il y a une éclipse solaire là, que le total ou partiel, eh bien, il y a des rayons ultraviolets quand même qui présentent, qui n'ont pas capable d'agir. Il y a des infrarouges qui présentent. Eh bien, puisque ils n'ont même pas d'éblouissement, c'est avec un pile plaisir ou à garder le phénomène ça. Parce que quand vous voulez Pavlin, c'est vrai que vous paquet amour de la science, amoureux de la science qui a profité de l'événement ça. Donc vous même côté scientifique. Oui, docteur, dis-nous. Oui, oui, oh, oui. Scientifique qui dit que yon scientifique, yon astronome qui part vivre une éclipse solaire totale ou partielle dans la ville, c'est le même genre avec yon garçon ou bien un monde qui part tomber amoureux pendant la ville. Donc c'est vrai que son conflit pour gagner le soleil a rendez-vous avec la lune, mais c'est entre parenthèses yon rendez-vous conflictuel parce que soleil là, la lune là, pour éclipser le soleil là. Donc, amis auditeurs, il faut m'expliquer aux auditeurs, et effectivement, je sais que c'est des questions, il y a un monde capable aveugle et capable de cécité absolue, ça ne veut pas du tout si par exemple il prend plaisir à regarder le soleil. Parce que bon, si tu as un danger qui est fauvea, en particulier, on est capable de dire macula. Macula, c'est tout tu sais, et Wendel qui est responsable de la vision des couleurs. Okay. C'est lui-même qui est responsable de la vision des détails. Et bien lorsque rayon alors, question, rayon docteur, qui pas détruit, docteur, qui pas détruit par docteur, l'ozone, docteur Jacques. Hein, attendez, oui, oui, non, vous prêtez attention, par exemple, pour ne pas parler, parce que nous avons pris un poser deux ou trois petites questions. Pas de problème, avec plaisir. Okay, avec plaisir. Nous n'avons pas grand temps. Maintenant, oui, oui. Mais ça, nous besoin qu'on d'abord, les déconseiller qu'on monde fixe le soleil là. C'est déconseillé parce que actuellement nous recevons bien pile monde que nous recevons qui a des problèmes maculopathie solaire, qui a des problèmes de dégénérescence maculaire. Donc c'est monde qui est habitué à garder le soleil, c'est monde qui prend plaisir dans ça. Là son facteur de risque est très élevé, donc c'est déconseillé, c'est interdit pour monde garder le soleil là si on pas gagner des lunettes spéciales qui fait pour ça. Mais étant donné qu'on a qui sont pays en voie de développement, vraiment mon yo pas bien informé, en plus, on n'a pas bien informé, on n'a pas bien lunettes tout pour y regarder. C'est ça que nous considérons tout le monde qui n'a pas bien lunettes spéciales, nous conseillons, les déconseillons pour fixer le soleil là, lundi 20 août pour aller là, sorti 2 heures pour arriver et 4 heures dans l'après-midi. Ok, alors c'est 21, c'est lundi 21. Donc, lundi 21, merci. Ok, on n'est pas obligé de rester cloîtré, fermé, 4 portes, de rester dans le cas où joue ça. Ou qu'à sortir dehors, mais pas garder soleil là. Et monsieur Wendel, faut qu'on dise catégorie monde qui plus à risque, c'est les enfants. Parce que si mon autre est à risque, c'est vrai que je dis, on a sensibilisé monde, les médias de province ont sensibilisé monde pour que ça arrive. Mais nous connaissons des incrédules, des monde quand même qui ont vu le phénomène là. Mais faut dire, auditeur radio à télé métropole, ou pas obligé de garder le ciel là pour vivre l'événement. Des télévisions, donc la NASA, la science mobilise un paquet d'appareils pour que y'a un événement immédiat, quel que soit côté dans le monde là, sous téléphone, sous WhatsApp, dans la télévision, ou capable de vivre l'événement, sans que pour autant, on pas obligé de fixer sur les dans le moment que l'équipe sur les rails même n'est pour le passé. Un spécialiste dans la question lunette qui est avec moi là, que nous consacrons et récit mission Balfel avec lui. Mais en tant que médecin, ophtalmologue, et lunettes, que y'aurait les lunettes soleil, y'a pas conseillé, mon pas météo, dans le moment? Très bien. Faut que nous précisions que tout type de lunettes que mon qu'on habitué à utiliser, que ce soit lunettes qu'on a utilisé pour faire lecture, lunettes photogrées, lunettes noires, lunettes qu'on a utilisé pour faire, pour souder,
tout type de lunettes ça yo yo interdit yo pas en mesure pour capable protéger les yeux là. D'ailleurs même les lunettes spéciales, d'ailleurs monsieur dit qu'on connaît ça très bien, parle de ça, même lunettes spéciales qui fait pour ça, qui recommandent pour les scientifiques surtout observer ce phénomène là, si on t'a utilisé l'équipe solaire passée, il est abîmé lunettes là, ou pas capable d'utiliser pour deuxième équipe solaire. Voir au monde qui a regardé là avec une simple lunette, ou bien au monde qui a regardé avec les yeux nus. Donc, l'équipe conseille pour tout l'autre type de lunettes. Yo. Mais si au monde prêt, ou il voulait garder, laissez-le faire arranger pour les lunettes spéciales. Ça, yo. Mais c'est vrai que M. Edikou qui a une élection, ça doit ne pas parler de ça. Mais nous connaissons, il n'y a pas que Edikou. Et il n'y a pas que l'autre monde qui n'a pas maintenant en pile fois. Il y a l'autre monde qui est de mauvaise foi. Il est capable de profiter de ces circonstances-là. Il est capable de dire que mes lunettes qui sont capables de protéger contre l'éclipse solaire, mes lunettes, sans qu'il n'y ait pas de vraies lunettes. Mm. Donc c'est ça que fait aspect sans chance, c'est un petit peu fragile. Il faut qu'on aborde avec beaucoup de précautions. Docteur Deli Jacques, merci infiniment pour toute précision sur le combat nous matin. Hein. Et nous comptons avec une possibilité tendue et nous pensons, nous espérons tout que le conseil SAO est révélé utile. Juste avant nous aller, M. Wendel, notre dit population. Donc, bon Adèle qui dit que si on ne peut pas empêcher aux oiseaux noirs de voler sur notre tête, mais au moins sont capables d'empêcher de faire leur nid sur votre tête. Donc ça veut dire que c'est mettre cotiver corps. Proverbe 4 dit garder pas bouler GA, il n'est pas appliqué dans ces circonstances-là. Donc, on a tout profité dans son appel. Je dis, nous sommes une soixantaine d'ophtalmologues. Donc, ça, ce n'est pas travail seulement les ophtalmologues. Ce n'est pas travail à Radio Métropole seulement. Ce n'est pas travail docteur Delijac. C'est tout le monde qui a des micros dans les mains. Les partis politiques, les responsables religieux, qui pour mettre ensemble pour être capable de sensibiliser la population. C'est vrai que nous-mêmes, je dis à Wendel avant d'aller, nous parlons là pour alarmer la population, mais il y a un phénomène qui est capable d'atteindre 80% de la population qui est une population aveugle, nous ne sommes pas capables de minimiser. Il y a des gens qui ont demandé est-ce que bien jour, est-ce que lundi a congé. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour dire oui ou non, est-ce que le congé, mais nous pensons que si il est congé, il va pas avoir de problème, parce que il y a l'autre activité qui compte dans le pays, il prend congé. L'autre activité pour ça, nous ne sommes pas intérêt pour minimiser. Donc l'État dirige. C'est prévoir, donc l'État a ici une obligation pour le protéger le peuple, pour le protéger la population. Avant nous, allez, si vous voulez qui aimé rentrer en contact avec M. Delijac, sous permettre Wendel, il est capable de contacter nous dans 36 11 34 51. 36 11 34 51. Merci, c'est un plaisir. Voilà, Dr. Delijac, qui est un ophtalmologue, nous t'attendez. Et alors, ou même nous dit déjà ce qui sont lunettes là. Et pas bon menti, je conseille des lunettes qui coûtent très cher, mais c'est des lunettes de fantaisie qui ont des lunettes, les lunettes soleil là, c'est comme ça. Et d'après le docteur, bah, ça m'a quitté le coin pendant la journée, ça m'a essayé de mettre le même. Non, lunettes qu'on gagne pour la vie de tous les jours, pas gagné pour eux avec l'équipe solaire. Je pense que yon nan bagay que pas développé du tout, c'est d'abord dit qui ça éclipse là. Oui. C'est quoi un éclipse solaire? Bon, pas astronome, mais son phénomène très simple. Il y a la Terre qui tourne autour du Soleil, il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc pendant nous-mêmes n'a viré autour du Soleil, la Lune a viré autour de nous, et mais il se trouve que de temps en temps, à un moment de la durée, la Lune n'a passé, pendant la vie autour de la Terre là, l'y passait entre la Terre et le Soleil. C'est comme si le Soleil en bas, la Terre en bas, la Lune n'a passé dans mi-temps. Donc l'eau passait dans mi-temps, l'y passait devant le Soleil là. Donc l'eau passait devant le Soleil là, elle a tendance à barrer le Soleil là. C'est un phénomène qui est récurrent, qui est souvent, mais ce n'est pas souvent par contre que ça relie une éclipse totale. Éclipse ça, c'est une éclipse totale dans certains endroits. Oui, c'est encore aux États-Unis par exemple. Dans une petite ville, il y a Salem en Oregon, c'est là que la pratiquement totale. Dans le cas Haïti, c'est une éclipse partielle, c'est-à-dire que la Lune n'a pas passé devant le Soleil là, il peut barrer à peu près 3-4 Soleil là, et mon cas cap continuer. Donc, nous pas même snap senti seulement à l'œil nu, nous pas senti qui ça.
lumière solaire là font y baisser. C'est un phénomène qui va durer à peu près 2 heures de temps. Mmh. Est-ce que nous capable comparer par exemple avec lorsque nuage dans moment de mauvais temps nuage barré soleil là à peu près. Oui, nuage la filtre soleil là, oui, nous pas gain genre de luminosité ça c'est lui même nous pas gain. Puisque quantité de lumière solaire que nous habitué gagner nous gain moins. N'a gain à peu près un quart de ça habitué gagner. Maintenant la lumière du soleil est tellement intense que même lorsqu'on cas dit trop pour yo. Donc ce que le médecin, le docteur dit là, le docteur Deliac, c'est vrai, pas fixer soleil là, ça n'a rien à voir avec éclipse. Faut moun pa yam fixer soleil. D'ailleurs même Dieu li pas ka supporter, il faut pas fixer soleil. Ça qui rive jouer éclipse là, c'est que gon moun par curiosité gen droit envie ou éclipse là. Et puis le ça ou al gade soleil là. Le ça si ou al fixer soleil là à l'œil nu ou à fixer là avec un bagage qui pas fait pour ça, qui pas filtré rayon assez, ou risque abîmer yeux. Mais même penser que il faut pas non plus ouais nous non pays faut pas apprendre mon yeux sort faut apprendre intelligent. OK, faut apprendre qui gens pour gérer, faut pas apprendre caché. Oui mais pendant n'a dit ça tout, nous songer expérience 98 là. Et justement en 98 qu'est-ce qui est arrivé? Gen moun ki fermé koyo la kayo, il y a eu des morts. Pour qui ça, gen moun ki comprend que l'éclipse là sont mauvais là. Gen moun ki fermé koyo, ki bouché tout nan kay la. Et il y a une famille qui est morte asphyxiée parce que bouché tout, alors que tout le monde a marché dans la rue normalement. Son seul bagage pour pas faire, c'est braquer les yeux sous soleil là comme ça pour essayer garder l'éclipse. Si vous faites li, ou pas bien mes yeux, ou pas dommage les yeux. Maintenant les lunettes dont vous parlez. Avant lunettes là, avant lunettes. Excusez-moi, avant lunettes là, parce que notre docteur a attiré attention nous sur Timoun. Comment qu'a géré Timoun dans ça? Kembe on dans caille ou bien dit au pas garde soleil ou fait au garde soleil avec un instrument fait pour ça. Parce que Timoun dans son Timoun qui l'école, moi même dans la classe primaire, il t'a parlé de l'éclipse. Donc première fois que gagne éclipse comme Timoun. Il a un privilège que papa, son médecin des yeux, il fait regarder l'éclipse. Mais il fait regarder l'éclipse, j'en peux regarder là, avec les instruments qu'il faut. Actuellement en Haïti, j'ai dans les magasins Belle Optique, j'ai pas beaucoup de lunettes disponibles. Pour qui ça? Parce que j'ai un organisme éducatif en Haïti qui t'a demandé de commander 400 paires pour eux. Pour qui ça? Parce que tu n'as pas fait éducation avec lui. Parce que faut nous comprendre tout. Un seul père, il a servi pour 20 personnes. Le phénomène n'a pas passé pendant 2 heures de temps. Les gens ne savent pas où ils sont. Qui sont les gens? La lune n'a pas passé devant le soleil. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de voir tout? Est-ce qu'on est obligé de garder? On n'est pas obligé de garder. Jean-Docteur a dit qu'il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de filtre dans la télévision. Mais quelqu'un qui a l'esprit curieux, qui a l'esprit scientifique, son bagage est gravé dans la tête. Même songer pour une femme garder l'éclipse, même des petits gens. Donc, ça qui est important, c'est gérer pour gérer. Et c'est pour un bagage qui est pour avec l'éclipse. C'est comme si je me disais, mon cher, pas fou, il doit tourner de l'eau, ça parce que de l'eau chaud. Est-ce que je ne peux pas bouillir de l'eau? Non, oui. Oui, mais 4 sont commandés en bas, c'est tout. Non, parce que quand même si on lunette qui a servi 4-5 fois, si le si premier utilisateur n'a pas gagné à Zoumoun, par exemple, mais c'est toute une population qui est concernée. Oui, la population est concernée. Et bon. Je vais vous dire, il y a une autre façon de le faire. Bref, je ne vais pas entrer là-dedans parce que gain des bails de fortune, qu'on a fait tout, même pas entrer là-dedans parce que dans les effets bails de fortune, non, ok, ou qu'à mon n'a qu'à faire. C'est que ça qui fait pour ça, oui, les filtres solaires là assez. Si vous regardez là, si vous mettez dans les yeux, vous n'avez pas de regarder, tout noir tellement que son bail qui épais, qui sombre. Mais l'homme a regardé le soleil là, oui, il filtre la lumière là. Il vient de boire un bain reposant, côté où il y a 2 astres, l'astre solaire et l'astre lunaire, qui ont croisé. Ok? C'est ça, toute curiosité. Maintenant, est-ce que. Bon, donc on est ici, par exemple, qui était occasion passée. Qui s'en a dit, Mounio là, par rapport à charlatan? Parce que c'est clair que, il y a des gens qui parlent pour éviter de dire que lunettes, ça, c'est bon, c'est pour ça le fait. Qui gens qui ont évité d'acheter. Pas gon lunettes dans la rue cap vend comme ça qui ban pour. D'ailleurs lunettes pour éclipse là à part ça qui fait pour ça sont bout de carton lié. Sont lunettes en carton.
C'est hiver que met la donne qui fait pour ça. Mais son bail que fait pour ça, il va avec jouer tout ça. Après, son mettez de côté. Non, mais donc, mais ça veut dire. On charlatan d'où, mais on lunette pour éclipse, pas prendre. Parce que combien faut-il de temps, on a simplement été concevoir un bagage, il fabriquer des vélos, ça que il parle, bombarder nous avec lunette pour éclipse. Et puis, écoutez. Écoute, ou pas bien mon cas, interdit ou bien ça. Enfin, interdit ou pas bien mon cas, empêcher. Mais c'est bon que. Mais c'est... si ou même, ou pas nous, c'est bail message là, non, pas prendre la donne. Tout simplement. Mais on dit que vraie lunette contre éclipse là, ou bien pour éclipse, qu'on a mis dans le moment éclipse, même c'est un carton le fait. Oui, ça me connaît en fait, son carton qui forme lunette, mais qui gagne un paire de verres très obscur, qui gagne tous les filtres qu'il faut pour pouvoir et filtrer les rayons du soleil pour que mon gens fait observation avec en sécurité et avec confort. Mm-hmm. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sou moun bagayen, vake a vos occupations. M'tan non spot que yo fait dans la radio qui dit moun pa gade dans l'air. Non, on met gade dans l'air. Pa gade soleil. C'est aussi, c'est même, j'aime dire, on de l'eau bouille là, pas fouet de tout là-dedans. Mm-hmm. Ok? Jouer éclipse ça, pas essayer gade soleil, parce que le pape. Mais tentation pas forte. Bon, écoute, tentation pas forte. Plein bagay que tentation forte. C'est pour ça que ne nous laissez pas succomber à la tentation. De bouti moun yon montre ça tout. Oui, oui. Ok, maintenant, et à partir de 2h, entre 2h et 4h, ce n'est pas nécessaire pour nous être fait dans le cas où nous allons sortir, vaquer à l'activité. Pas fixé soleil. Sauf que, ou même dire, ou dire, ou regarder dans l'air. Pas fixé. Alors, soleil. Ou bien pas regarder dans la direction du soleil. C'est là. Go. Oui. C'est là. Go. Ou quand on voit le soleil là. On n'est pas regarder le soleil là, tout simplement. Mm-hmm. Aussi simple que ça, pas plus que ça. Oui. Mais, question de paniquer, je ne pas penser que ce sont mon bagage. Parce que, ou pas cap d'ailleurs son bagage. M'a regardé le contraire. Ce matin, on disait à la télévision que la petite ville de Salem, ok, chambre hôtel passe à $800. Il y a 1 million de monde en plus dans la ville là. Pour qui ça? Parce que il y a un monde qui t'a aimé l'éclipse totale là. Donc, il a quitté la caillou et aller pour aller observer. Parce que, monde, encore une fois, on pas qu'à former le monde pour faire le monde une pissotte. Faut former mon. Non mais nous faisons ça. Mais c'est malheureux. Vous n'êtes pas d'accord, mais nous faisons ça. Mais c'est malheureux. Nous faisons à Bétimon, nous faisons voilà. Dans mon pissot. C'est comme si vous dites pas monter machine parce que machine fait accident. Mais même pas bien monter machine. Non, alors même ça que fait me dire ça, c'est expérience 98 là. Expérience 98 là, on dit que une femme qui mourit asphyxiée tellement que mon pensait que éclipse là c'est mauvais, c'est l'air que l'air, c'est mauvais air que l'air. Au fait, il mourit là. C'est ça a été très mal interprété. Donc, il faut que les gens comprennent que l'éclipse là sont un phénomène naturel. C'est juste que une partie du soleil là qui est cachée. Mm-hmm. Et que l'autre partie du soleil est cachée, si on a envie de le cacher, pas garder la vision. Bon, et puis, pour, alors, comme je disais tout à l'heure, pourquoi sont obligés de garder? Il y a dormi la carotte au soufflé ou bien sous senti que la tentation est trop forte. Il y a qui est curieux, il y a qui n'est pas curieux. Gagne qui gagne un moteur qui a marché, la donne, la prenne, dès qu'on démonte, remonte un moteur. Ok? Gagne un monde qui a servi un moteur depuis combien d'années, il n'y a pas même un côté moteur à une machine. Il y a des esprits curieux, des esprits scientifiques. Ok? Mm-hmm. Un esprit curieux et scientifique, c'est normal qu'il recherche l'information. Ça. On rend un hommage posthume non, et à Dr. Daniel Mathurin de Regretter Mémoire, que je me songe qu'il fait une intervention sur Métropole le 28 février, lorsque il constatait toute la rue dans Port-au-Prince, était blanche, pas de monde du tout, tout le monde était fermé dans le caillou, pour te rappeler que nous sommes capables de sortir si seulement. J'en suis dit là, pas garder le soleil, pas fixer le soleil, mais il y a une activité normalement. Donc c'était en février 1998. Monsieur Udicourt, lunettes que Belle Optique gagne, au grand pile qui est disponible, je dis là. Bon, les lunettes pour l'éclipse? Oui, pour l'éclipse. Non, il n'y en a pas beaucoup. J'en avais, après avoir fait cette commande pour cet organisme, j'en avais gardé peut-être 150, il y en a qui sont encore disponibles à Métropole parce que j'en avais envoyé depuis la semaine dernière oui, le jeu radiophonique Métropole. Ou qu'a gagné une lettre ça yo. OK, gratuitement on répond aux questions et pour gagner. OK, sacrété à me gagner dans le magasin quelques dizaines qui me restent, peut-être une centaine maximum. Il est pas cher.
Il n'est pas cher, puisque il coûte 10 dollars. Ça dépend. Il a dit que moi, je les vends 10 dollars, j'ai moi des côtés qui vendent à 20 dollars, moi des côtés qui vendent à 8. Je ne suis pas le seul à les avoir. Mais avec 10 dollars là, moi, je pense que dans le cas de l'utilisation, ça, une famille peut l'utiliser. OK? Papa, maman, tout le monde, vous regardez l'un après l'autre, vous regardez, est-ce que tu vois où tu vois et vous passez le bas à l'autre. Comme étant donné que Gamounio déjà connaît, vous regardez le soleil là, je pense que c'est. Tu as plus à appliquer pour Timounio. Pas quoi les gens trop tard pour que Gamounio apprenne. Si un Gamounio n'a pas de jambes ou éclipse, il met 90 ans, il faut être capable de regarder. Oui, mon tésir, il faut regarder la télévision. Bon, mais il faut regarder naturellement tout, c'est pas tout ça dans la télévision, oublier quoi ça, et où elle, ou qu'on a où elle, tout bon. On prend pause là et puis l'entourné a parlé de lunettes, non, de lunettes. En général, ok. De lunettes, mais oui, disponible. Parce que là, il y a des gens qui t'aiment me compte plus, pour qui sont-ils pour tes lunettes dans eux, sans pas parler de éclipse, hein, à quoi ça sert véritablement l'entourné. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Georges Hudicourt, PDG de Belle Optique, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous sur le plateau. Georges Hudicourt de Belle Optique. Et avant de tomber dans les lunettes, là, un auditeur qui dit pour Mando, bien que le docteur en t'ait dit tout à l'heure, mais l'auditeur a insisté, est-ce que les lunettes sous Dieu sont capables de porter? Par contre, si c'est les lunettes, il est, en tout cas, lunettes pour les gens qui sont capables de porter. Il n'est pas fait pour ça. C'est le même genre d'utilisation, parce que ça, c'est l'autre bagage que le bout de monde qu'on est, il pas garder sous Dieu. Oui. Parce que la lumière sous Dieu est trop intense, il abîme les yeux, tout. Mais la lumière sous Dieu n'est pas aussi intense que la lumière soleil. Donc, le verre que vous faites pour la lumière sous Dieu là, plus faible que le verre que vous faites pour éclipse. Pour éclipse là. Donc, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. OK. On parle de lunettes qu'on est là. À quel moment donné, il y a un besoin de porter des lunettes? On va parler de lunettes solaires, on parle de lunettes. Pour les gens qui ont dit que vous commencez à avoir une faiblesse dans la vision, notamment. Bon. Par un moment, pour mettre les lunettes. Les lunettes ont divers types d'utilisation. Il y a une utilisation qui est très courante, c'est les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, l'on vit dans un pays ensoleillé, l'on très souvent au dehors. OK, lunettes solaires là sont bagailles qui, quand c'est de bonne qualité, qui protègent les yeux contre le soleil, puisque Jean, docteur Deliac, dit là, exposition prolongée trop longtemps au soleil, capable, et vient boire des problèmes dans les yeux. Et donc, ça, c'est une application. Le ça, pas, c'est bon, lunettes qui est en prescription là-dedans. Le ça, c'est pas docteur prescrit. Non, le ça, c'est pas docteur prescrit. Ou capable, fait en lunettes, nous-mêmes, nous faisons. Qui a une prescription qui est petit solaire en même temps. Ça, nous va parler de lui après. Un autre genre de lunettes que nous mettons tous, c'est lunettes de protection. Lunettes de protection, ou à fond travail côté gain, éclat, gain, bah, volé dans la figure. OK? Ou à travailler dans le laboratoire, gain sang, gain spécimen de sel. Là, on met une lunette de protection pour couvrir les yeux. Lunettes, ça, pas forcément, mon prescription la donne. Maintenant, l'utilisation la plus courante. Des lunettes, c'est pour corriger ce qu'on appelle les défauts de la vision. Et les défauts de la vision sont multiples. Et il y a quatre défauts principaux de la vision. Il y a une myopie. Monde qui myope là, au cap de petit monde, on myope. Monde qui myope là, il y a très bien de près. De bon, ben, comme c'est trop loin, il n'y a pas où encore. Un monde capable hypermétrope, c'est le contraire de la myopie, c'est-à-dire que mon nom est clairement de loin, mais quand il a commencé trop près, il n'est pas Il n'est pas lié les presbytes là? Non. Il permet trop là, au cas gagner dès le plus jeune âge. Maintenant, il y a un troisième phénomène qu'on appelle, un troisième défaut de la vision qu'on appelle astigmatisme. Astigmatisme, ou capable même ouais bien, mais son vision déformée, ou pas ouais. Bagala gens pour des là nous disons déformé. Maintenant, ou cas une combinaison de myope et astigmate, ou cas une combinaison de hypermétrope et astigmate.
Ça, c'est trois défauts de base que au monde, dès le plus jeune âge, on a gagné. Maintenant, on a un quatrième phénomène qui est présenté, en général autour de la quarantaine, et ça, il atteint tout le monde. C'est ce qu'on appelle la presbytie. La presbytie, c'est arriver dans l'âge, et ça a à voir avec le vieillissement de l'œil, c'est même bien que tête mon a blanchi, mes yeux vieillissent tout. Et arriver dans l'âge que petit à petit, même si on a une très bonne vision de loin, on vient pas qu'à, ça va être accommodé pour garder un œil de près. Ou après des gens qui doivent être très bien, puis leur allons journal, ils ont bien allé loin pour le carrel. Ça, et c'est tout le monde qui a passé la donne, mais c'est autour de la quarantaine. En général, les premiers, leur bon magasin, lunettes, de pour un monde commence à venir prendre des prescriptions de presbytie, c'est-à-dire son monde qui, probablement, entre 38 et 42 ans, gain qu'on arrive à 50, mais ça qui fait arriver à 50 là, c'est parce qu'entre temps, il y a la pharmacie, il y a une lunette pharmacie, ok, qui pas fin adapté à besoin, mais ils vivent avec jusqu'à ce que vous réalisez que faut être besoin d'une lunette qui est beaucoup mieux faite et qui est beaucoup plus précis, qui est mieux adapté à besoin. Et tu peux avoir des verres maintenant, il y a des mounes, moi-même j'en fais partie, ok, moi en même temps, moi et hypermétrope, moi astigmate et puis me presbyte. Donc verre là obligé fabriqué pour une combinaison de trois prescriptions la donne et trois prescriptions ça va mettre long grain vert pour ne pas à marcher et retirer, changer lunettes toute la journée. Donc ça, c'est une seule lunette capable de répondre à tout besoin. Défaut. Oui, 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 oui. Et c'est... Mais comment faire qu'on ait qu'on trois problèmes en même temps? Bon, comment faire qu'on ait? On se gens pour qu'on ait. Ou aller au fond, examiner les yeux. Si on a un très myope, par exemple, un petit monde qui est très myope, deux fois un petit monde qui est l'école, et puis on met un chita de yol, pas qu'à aller sous tableau. Ou bien là, un petit monde qui regarde la télévision, et puis là, il est l'école dans la télévision. Ou déjà qu'on ait le myope. Qu'on a l'ol myope. Là, comme ça, c'est pas qu'à aller pour le professeur, qu'à aller petit monde, non? Non, c'est qu'à docteur pour maintenant. On mène elle parce que c'est docteur qui peut examiner les yeux. Et l'on examine les yeux, il peut exactement qui prescription pour le mettre dans les yeux pour le capable de bien. Mais Calais n'a pas résolu le problème. Non? Donc, je dis là, toutes ces catégories de lunettes sont disponibles, sont accessibles, n'importe qui a droit à eux, il suffit que le docteur prescrive. Oui, lunettes là, songez, lunettes sont faites en deux parties. Il y a la monture. Okay? La monture, comme son nom l'indique, il servit pour le porter vert. Comme si son monture lié. OK? Maintenant, en général, l'homme on a pas acheté une monture, nos magasins ont obligé un très grand choix, puisque il y a des sizes différents, il faut gagner pour petit monde, il faut gagner pour garçon, il faut gagner pour fille. Lunettes là aussi viennent au pied du mode. OK? Lunettes là, il y a un designer qui a fait lunettes, il y a une lunette qui pibode que l'autre. C'est-à-dire qu'un personnage public, tant que M. Théodore, pas arrêté comme ça, on vient dans la télévision avec n'importe quelle lunette. Bon, je suis très fier de dire que c'est parmi les clients. Mais il y a la partie monture dans les lunettes où la personne fait un choix. Qui est un choix, un qui a à voir avec combien de cobbles il paraît pour dépenser. Un choix du point de vue esthétique, qui s'accueille le talent, mais qui s'accueille le trouve et qui fait bien. Mais. C'est bon que le toujours aider parce que faut pas faire choix. Faut faire un choix qui est bon pour lui. Faut faire un choix, par exemple, on voit des gens qui mettent un personnage public ou elle dans la télévision et puis là, avec une lunette qui est trop petite pour lui. Parce que le mal choisi. Donc, il faut gagner des spécialistes. Il est bon d'avoir un spécialiste et c'est ça nous gagne dans une belle optique qui aide au choisi. Nous-mêmes, en arrière, nous faisons le premier choix pour le client. Parce qu'il faut me dire que l'eau, on a dans des choix qu'on gagne. 500 compagnies montues, cap vendent montues, chaque gain 200 modèles, ça faut déjà 10 000, 20 000, 30 000 modèles. Donc, obligé à choisir qui ça qui peut adapter à la clientèle ou mettre dans le magasin. Et ça, c'est une spécialité pas nous, mais qu'on y a. Lorsqu'on met dans le magasin, obligé à un spécialiste en un magasin tout, qui lui-même a guidé le client pour faire les bons choix. Maintenant, le verre, c'est différent. Donc, je ne sais pas si vous avez une autre question sur l'affaire montue là. Non, alors, l'homme qui a venu avec prescription médicale, là, ok, mais aux ordres du médecin, pour me faire vers là.
Et c'est pour ça que, à part les magasins, nous obligés à ce qu'on appelle un laboratoire de fabrication, où on peut, dans les 24 heures, fabriquer des lunettes prescrites pour ce client-là, selon les ordres de médecins qui lui a examiné. Donc, laboratoire-là, il y en Haïti. Oui. C'est-à-dire que dans les, nous avons un laboratoire en Haïti, c'est qui travaille d'ailleurs non seulement pour nous, pour magasin nous, mais nous avons un laboratoire qui travaille aussi pour beaucoup de médecins. Par exemple, nous avons un programme de pénétration des provinces, parce que longtemps, nous avons besoin de lunettes. Nous avons été qu'on saute au Cap ou bien saute au Cap ou bien saute Jérémy. Nous avons obligé d'entrer pour le prince. Quand ça nous fait, nous avons un programme avec des médecins établis dans ces villes-là, ou parfois des médecins qui vont dans ces villes-là une ou deux fois par mois, okay? Et qui vont, qui font des examens des yeux, et nous-mêmes, nous produisons verre pour eux. Mm-hmm. Nous produisons verre pour eux. Nous travaillons avec une plus grosse clinique yeux qui est dans le pays à Kounia, qui s'appelle la clinique de la vision au Cap Haïtien. Nous travaillons en pile pour eux, et nous travaillons avec le médecin Jacques Mel, nous travaillons avec le médecin Saint-Marc, nous travaillons avec le médecin Hinch, c'est-à-dire que dans 10 départements, nous sommes arrivés dans 8. Okay, mais on travaille pour être capable de fournir la population de plus en plus et que le renne soit de plus en plus accessible à la population. Okay. Et est-ce que défaut de vision, ça, que c'est myopie, que c'est mensonge dans l'audio, est-ce que situation ou encore vision mounan li oblige à aggraver ou bien détériorer s'il pas porter lunettes? Non. Vision moun, ça c'est très bon que vous posez question, parce que ça c'est un bagage que moun toujours comprendre que non, la vision ne va pas détériorer. La personne va voir mal. OK? Son moun qui vive qui paraît bien. OK? Lunettes là c'est quand qu'on béquille lié d'eau, ouais, puis bien. Mais c'est le fait qu'on pas porter li pas abîmer les yeux, li kabor de l'autre bagage. Par exemple, quelqu'un qui t'a supposé mettre lunettes et qui pas mettre et qui fait yeux là fait une série de efforts additionnels que le pas supposé faire, il y a un signe de monde qui besoin lunettes spécialement pour astigmate. OK, c'est un monde qui commençait à avoir des migraines, n'est pas contre pour qui ça. L'a travail à yeux, yeux font effort que il pas de faire. S'il fait travail de façon assidue, ils vont le que il commencer à gagner ma tête, tête à faire mal, il pas contre bruit ça. Mais là le cas docteur, ils font examen et puis ouais que il y a stigmate et que le besoin lunettes pour courir. C'est ça, parce que mon auditeur qui est à l'étranger là qui m'a dit pour mando pour est-ce que pas avoir une explication en plus sur astigmatisme qui ça lié. Astigmatisme c'est une vision qui peut être claire mais déformé. C'est-à-dire que m'ap gade une image, moi ouais, on voit image là différent de l'autre bois. OK? Donc les femmes font un effort additionnel parce que je m'a forcé pour elle bien, même gon bok image là qui bien, on bok pas bien. Donc astigmatisme la correction pratiquement, gagne des fois c'est un cas que côté c'est un seul bon image là que veut la corriger. Comme s'il redressait les plus fort bien. Hein? Simple, c'est une explication simplifiée mais c'est ça. Tout verre, c'est obligé des verres de correction. C'est comme ça que les gens. Bon, verre de correction, c'est là qu'on va corriger. Si vous mettez un verre de protection, ou bien un verre solaire. Donc, il y a. Tu as formulé la question à l'autre gens. Combien de types de verres qui gagnent? Bon, les verres de correction, OK, c'est des verres qui corrigent un défaut de la vision. Les verres protecteurs ou du soleil, ou par exemple, il y a des grands phénomènes moto, où on est. On est toute la journée sur moto. On va courir moto. On pas que petit paille dans la rue. Lorsqu'on lunette, ça va l'empêcher que ça va blesser dans les yeux. Donc ça, c'est là où on a ça, c'est protection. Maintenant, les verres de correction, il y a les corrections simples. Okay, ce qu'on appelle les verres simples. Le verre simple, c'est un verre qui corrige, en général, pour les plus jeunes de moins de 40 ans, et seulement la vision de loin. Mais à partir du moment que mon nan kevin gen problème pour accommoder de près, OK, obligé fait un verre ce qu'on appelle un verre à foyer multiple. Foyer multiple là, c'est-à-dire que les bons foyers, on partit dans verre là, en général la partie la plus haute. C'est pour la vision de loin.
prescription qui est en bas vers la différence de sa galère. Et par contre, si vous songez, bon, ça existe encore jusqu'à présent. Et longtemps, tout vers ça, c'était des vers, ce qu'on appelle un vers bifocal. Côté où il y a une lunette, et puis il y a un petit bagaille qui diffère par en bas, ce qu'on appelle dans le langage une pastille, ok, et que l'homme on a gardé, on l'a appelé un bagaille, il levait tête pour le garder dans bas et ça, parce que c'est lui-même qui permet de voir de près. Et ça, c'était les premiers vers multifocaux. Qu'on y a entre-temps, la science a évolué, et il y a ce qu'on appelle maintenant les vers progressifs, ok. C'est le même principe. La partie haute du verre corrige la vision de loin. La partie basse du verre corrige la vision de près. Alors, une question que je me posais tout à l'heure sous détérioration de la vue sans les lunettes. Il y a des gens qui pensaient qu'à un moment donné, ils étaient dépendants des lunettes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Bon. Ou viennent dépendants de lunettes. Ce n'est pas lunettes là qu'il faut venir dépendants de lunettes. C'est parce que grand pile monde, spécialement en Haïti, qui pas ouais, par contre, qui pas même connaît ou pas ouais. Ou pas ouais bien. Maintenant, aussitôt qu'on est habitué à mettre lunettes là, qu'on habitué ouais bien. Mais l'eau vient nous retirer, ou vient pas confortable encore. L'eau pour quoi j'en mette, ou capte confortable. Gen ne cap conduit pour à l'eau. Et puis, n'est-ce qu'il y a pas qu'on est au myope. Moi même fait expérience ça déjà. OK, côté que mon monde qui travaille avec m'a prendre un poids lourd et puis quand l'homme dit monsieur l'homme moi pas ouais et puis le bois le docteur son homme qui pas ouais qui prendre autre. OK, mais même nèg ça je mets une lunette dans yeux, il commence quand j'ai lunette là, il pas que j'aime quand j'ai lunette d'accord. Mais c'est pas lunette là qui fait le dépendant. Vous pensez qu'en pile cas comme ça dans pays? Il y en a beaucoup. Et moi pense que il y en a beaucoup et spécialement vision de près même n'en parlons pas. Vision de près, je pense que mon yo vient réaliser beaucoup plus que par de près parce que monde qui pas lit. OK, monde qui pas lit qui pas mais mon yo vient réaliser qu'on on ba intéressant c'est que vision de près a vinn mon yo vient réaliser beaucoup plus depuis qu'un téléphone cellulaire. Parce que mon a besoin qui nous rappeler besoin qui monde rappeler lui, yo commencer besoin ouais de près mais jusqu'à présent on est prendre téléphone et puis longer pour être bien loin parce que lui. OK. Donc c'est petit exercice que monde ca fait facilement pour tester souvler vision oui. Avec téléphone ou au lieu de faire comme ça, sous le numéro, soit obligé de faire comme ça pour être. Si ça veut dire que vous arrivez à l'âge pour ouvrir une presbyte. Donc, il le pour faire un examen des yeux. Alors, ce qui est bien, ce qui est, bon, la nature fait bien les choses. C'est aussi très important que même l'âge que vous commencez, pas ouais, de près, c'est là ça tout pour faire un examen. C'est là ça pour aller sur pas souffrir de glaucome. C'est là ça, on songe que nous faisons une émission ici là, au sujet du glaucome. C'est là ça tout pour regarder si on début de cataracte. Donc il faut profiter de l'occasion que on commence venir pas pour dire ah, on va commencer à le docteur pour yeux parce que il y a des monde qui fait et alors, qui arrive à l'âge de 35 40 ans qui toujours est toute bagaille parfait, la vie est belle. Et yo vinn une tendance pas marcher qu'à docteur. Oh, on te recommande par exemple aux États-Unis, loi au docteur Jules do na wena na. Parce que Dieu que en principe, Dieu a évolué, go commencé à arriver dans l'âge qu'on a vienne développer des l'autre problème dans les yeux, problème de tension aux yeux et tout ça. Donc par prudence, c'est bon de se faire examiner les yeux de façon régulière. Dis-nous docteur, qu'est-ce qui ça rend le monde vienne aveugle? Bon, et là, vous entrez dans le bagage médical, okay, qui est un petit dépasse ses compétences, mais je peux quand même répondre aux choses les plus communes. Bon, il y a des aveugles de naissance pour différentes raisons. Mais à part les accidents, les deux causes de cécité les plus courantes, c'est cataracte, avec c'est glaucome. Cataracte là qui s'allie, c'est on partie dans yeux que les cristallins que lumière l'a regardé supposé passer la donne les vignes de plus en plus à vignes sombre lumière pas passer. OK, et de plus en plus aux vignes ouais au gain l'impression que pas gain soleil que gain nuage vignes plus sombre. Mais cataracte là avantage que gain c'est que son bagage qui réversible en ce sens que
ou qui a opéré cataracte, opération cataracte, sont bien au monde font journée, même jour à la cas ou demain, côté retiré cristallin, ils mettaient une artificielle et puis retournaient très bien. Deuxième cause qui est plus grave là, c'est glaucome, parce que glaucome n'a son problème médical, côté que gon liquide en dans yeux là, que pression liquide la vient trop fort en dans yeux là, c'est le glaucome non. OK, comme en dans yeux a l'impression ça, il y a abîmé en dans yeux. Danger kata, danger glaucome non, c'est premièrement, les même la manger en dans yeux, la pas abîmé ou pas même gon ça, ou pas sent rien. L'eau commence à venir sentir on bagaille. Et qu'on commence pas ouais, ça veut dire que il y a des dommages qui déjà fait dans yeux mm-hmm. que pas rien fait. Pas qu'il fait pas. Donc, c'est pour ça que nous, que, à partir d'un certain âge, de la quarantaine, bon monde, à partir de la vingtaine, si nous avons une race de cataracte, il faut être capable de faire contrôle ça, parce que contrôle ça, il y a entretenu des médicaments pour ça. Il y a suivre les yeux pour que vous ne pas arriver dans un stade côté l'abîmé. C'est même gens avec les gens qui sont sous tension artérielle, les gens qui arrivent vivre à 90 ans. Avec tension artérielle parce que ou faire respirer ou faire ça rien pour faire mais si vous pas faire faire la frappe pour atteint a-t-il âge petit et t'apprends mais qu'on est jodi a il y a pile innovation qui fait dans question lunettes et dans perception c'est le monde le port des lunettes c'était un bagage qui m'était capable de dire on bail de luxe que tu es. Non, c'est. Non, moi, Dieu, à un certain moment, non. Je t'ai pensé que porter une lunette, ce n'est pas ton besoin que tu es. Il y a des gens qui pensent que porter une lunette, c'est un bail de luxe que tu es. Effectivement, perception, ça a existé. Et encore une fois, il faut songer que dans une lunette, il y a deux parties. Il y a une monture, il y a une verre. OK? Son bail qui évolue, effectivement, où on arrive à faire maintenant des montures de qualité, parce que il y a des bagages qui sont en plastique injecté qui sont dans la rue qui n'est pas fait pour ça. OK? Mais on monture, par exemple, dans le magasin, pas même, mais une grosse collection de montures, OK? De bonne qualité qui vendent $20. Et en ce qui s'agit de montures, c'est mesure l'argent, mesure mon gars. On monte $20 à porter vers aussi bien pour vous que monte 200, 300, $400. Donc, on peut aussi bien dans ça $20 que dans $1,000. C'est comme si j'ai besoin de l'OCAP. Je peux acheter, bon, je vais faire réclame pour une compagnie qui existe en Haïti. Je peux acheter un Rolls Royce. Et puis, je peux acheter un petit Citroën de chevaux. Je prends un OCAP là, je vais priver, même là. Vous voyez? Excepté que les Rolls Royce, ça ne va pas le dépenser plus d'argent passé. Parce que j'ai envie de boire. Mais. Maintenant, c'est vrai que la monture est devenue un objet de mode. Donc, si on vient mélanger objet pratique là, objet de mode, là, on vient acheter une monture qui est 200, 300, 400 jusqu'à $1,000. Bon, faut-il comprendre. Mais elle fait même travail. Moi, on parle souvent de monture. On peut parler de verre là. C'est l'âme d'abord vient avoir. On me dit songer que il y a deux parties. Non. Alors, en termes de coût, on dit qu'il y a des montures de $20. Oui. C'est-à-dire que y a un prix pour un coût pour monture là, un coût pour verre là. Oui. OK. Expliquez-nous. Maintenant. Pour les verres, par exemple, nous avons à Belle Optique, nous faisons pile innovation. D'ailleurs, en 2015, et nous avons même primé, nous avons gagné un prix avec 17 entrepreneurs à cause de la quantité d'innovation que nous avons fait. Nous avons considéré comme le laboratoire le plus innovant dans le pays. Et une bagaille qui a gagné, c'est que par le passé, la tendance était qu'on vendait des verres de qualité. Je disais, et moyenne et à des prix assez élevés. Maintenant, avec les recherches que nous avons faites, nous avons trouvé, d'un côté, il y a des verres bien meilleurs marchés existants sur le marché. Là encore, vous pouvez acheter dans un magasin de lunettes une paire de verres dans l'équivalent de $20-25. Même prescription, on va nous verre $200, tout. Parce que dans un verre, là, c'est un coup de monture là. Le travail principal, là, fort ouais bien, tous les deux a fait même bagaille. OK? Ou après bien. Mais qu'on y a, capable de faire des verres qui sont confortables, qui sont basés sur la recherche. Par exemple, il y a des verres que nous devons introduire en Haïti, qui sont ce qu'on appelle la technologie freeform, il y a le digital, tout. Ce sont des verres que côté je peux faire vers là pour vous. Moi, j'ai un appareil qui
prend mesure, qui prend même comportement visuel chaque individu, moi prend données, on voit l'ordinateur, l'autre bord qui calcule qui va pour ta faire selon comportement visuel ça. OK? Et ensuite, il fabrique verre pour, il met ton couche anti-reflet pour qu'il est plus confortable, il ca mettre en ce qu'on appelle un verre transition. Alors les vraies transitions, les transitions et originaux qui a changé couleur dans le soleil. OK, donc monde qui mettre là, c'est encore si me fait analogie au toit, c'est comme si nous avons une machine avec une transmission automatique, il y a un projecteur dans tout ce que mettons li ou un paquet de bain en plus. Donc on cap on prix on verre qui varier de $20 à facilement 250 et si c'est des verres progressifs, ça peut même aller au-delà de $300-$400, mais ça commence à $20 aussi. OK. Mais le ça c'est patient qui est pour choisir qui a besoin. Si le besoin va être plus ou moins esthétique, les gars pour lui faire mention de ça tout, pour dire mais ça non m'arrive. Non, écoute, tu gagnes tu bon marché esthétique. OK, les cap pas un gros nom, si au besoin marque quelque gros nom, quel gros designer sous lui. Parce que lunettes là viennent un article de mode tout. C'est un coup un bracelet, un bijou, c'est un article de mode. On va mettre dans figure toute la journée. Oui, on va mettre tout un bel bagage. OK. Ça pas veut dire que l'autre n'a pas fait travail là. Ou qu'a prendre des petits montures au bon marché mais qui est très esthétique tout, mais le pape écrit Dior sous l'île, pape écrit Versace sous l'île, à moins que sont faux. Parce que là c'est compagnie ça yo qui fait lunettes là, yo même yo fait recherche pas yo. OK? Yo mettez le nom sous l'île et puis faut payer pour ça. Maintenant, est-ce que me dois comprendre que Belle Optique déjà démocratisé question lunettes dès le début. Dès l'ouverture. Dès l'ouverture. Démocratiser sans faire de compromis sur la qualité. C'est ça qui est important. Parce que vous arrêtez ou dites démocratiser et puis vous faites éteint. Mais vous parlez tout de percée en province que vous faites, présence dans plusieurs villes du pays. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas dans le milieu urbain ou seulement que vous arrêtez et que milieu. Ça dépend de ville là parce que faut pas oublier que dans le cas ça, ce n'est pas moi qui fais, mais sous-traité. Bon exemple, il y a un plus grand centre pour les yeux qu'il y a dans le pays, c'est au Cap-Haïtien. Et à la rue 18, il y a ce qu'on appelle la clinique Vision Plus. C'est une clinique ultra moderne avec salle d'opération, avec toutes sortes de traitements au laser. Et depuis ouvrir, il y a 4 ou 5 ans, c'est moi-même qui fournis en ce qui s'agit de verre et de lunetterie. C'est une association de 4 ou 5 médecins haïtiens, ils ont des médecins visiteurs qui viennent, mais eux, et ils ne sont pas les seuls. Ils font ce qu'on appelle aussi les cliniques mobiles. C'est-à-dire qu'ils sont basés au Cap-Haïtien, mais ils font des visites okay, pour aller faire des examens des yeux dans toutes les localités avoisinantes pour mettre maintenant la lunetterie à la disposition et à la portée des populations. Okay? C'est vrai que la population haïtienne est quand même assez mal servie jusqu'à présent. Mais ça a à voir avec deux choses. L'une des choses, c'est la situation économique du pays. Ça, c'est une. Et une autre faiblesse que nous avons tout, c'est que le nombre de médecins professionnels qui disponibles pour la population, il n'y en a pas assez. Et ça, disponible, il n'y en a pas beaucoup qui vont s'aventurer en dehors de Port-au-Prince. Mais nous, pas mal. Puisque, comme je te dis, actuellement, je travaille avec OCAP. Je travaille avec Okaï, je travaille avec Jacmel, je travaille avec Saint-Marc. Bientôt, nous allons travailler avec Naïve, je travaille avec Hench, je travaille avec Jérémy. Donc, nous commençons à pénétrer, mais c'est un travail à longue haleine qui aura besoin aussi de la présence de beaucoup plus de médecins, beaucoup plus d'ophtalmologues qui sont capables de pénétrer la population. On finit avec un petit rappel sur Eclipse. Bon, Eclipse, moi-même, opinion PAM, c'est un phénomène naturel. On doit apprendre à vivre avec. C'est ni la première ni la dernière fois que par exemple éclipse en Haïti. Il faut que si au monde ou son monde qui scientifique ou à l'école faut comprendre ça éclipse là, faut mettre sur capable mettre en condition pour observer selon conditions que nous dédions. OK? Et puis surtout ne prenez pas de risques. Dieu a gagné pour la vie, soit abîmé ou abîmé net. OK? Si vous n'avez pas les conditions qu'il faut,
Jean-Docteur a dit, ou à ouel dans la télévision, ou à ouel sur Internet, il y a plein de 10 000 photos d'éclipses qui peuvent apparaître dans les médias sociaux, ou à ouel comme ça. Mais définitivement, question de ne pas sortir, pas gain ça. Ok, moun nan fòl kapab va ke okupasyon. Au fait, jou eclipse la, pendant eclipse la, pral gen beaucoup moins soleil qu'un jour normal. C'est pas plus qui pral gen. C'est moins. Oui. Seul baye pa gadil. Parce que jour normal, pa gadil. Continue pa gadil. Continue pa gadil, rete la kay nou, ou be sorti dehors, mais al nan activité, mais pa gadan lè. Ou pa kap. Maintenant, son moun besoin acheter, bon, ben kouz pa gran pile. Si on a besoin, par exemple, pour petit ou pour proche ou acheter lunettes, ça occupe un peu, malheureusement. Bon, il y a une façon gratuite de l'avoir. Il y a des jeux radiophoniques à Métropole tous les jours. Oui. Au cas de participer. Et puis, oui. Bon, je crois que c'est jeudi, hein, et par contre, il y a bien demain. Jusqu'à hier après-midi. Jusqu'à hier après-midi, je me toujours. Même par contre, jusqu'à qui le m'a gagné. Mais je peux déjà d'ores et déjà vous dire qu'il y a deux ou trois jours, c'est pas. Un bagage qui là vraiment c'est pour une activité qui pour faire l'argent et il y a deux ou trois jours il y avait je sais qu'il y avait j'imagine Pétionville il y en avait ok et j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi il y a une clinique des yeux au canapé vert qu'on appelle aux petits soins il y a rien tout donc je ne suis pas le seul à les avoir peut-être c'est moi-même qui diffusais le plus mais mon encal dans côté ça et il y a besoin de tout. Prochaine éclipse qui va gagner laisse ça si vous vivant toujours ou encore commander des milliers. Bon. Si vous êtes garantie que ma vivant toujours fait ça, on t'a qu'à promettre tout ça moi-même. Jean-Louis Dico, merci, c'est un plaisir pour te gagner avec nous matin hein. Et puis nous croyons que leçon yo mon après yo information tal jeune mon yo sur question éclipse là et puis lunettes là à quoi servent les lunettes. Et je dis, hein, pour qui ça, on peut porter lunettes, ou pas porter lunettes pour pas avoir, sauf si c'est protégé. Et vous voulez faire prévention pour éviter de fatra tomber dans l'eau. Mais avec paquet de motocyclettes qui circulent aujourd'hui, bien comme vous avez exigé que vous portez casque pour nous là, pas de votre lunette pas augmenter? Pas, peut-être pas dans le niveau, pas moi, non, pas quoi. Pas quoi. Je suppose que. Et ça, mon lunette à 20 lunettes injectées dans la rue au plus, parce que là, c'est juste une protection que mon mettez, c'est qu'on écran. Lunettes, ça n'a pas dérangé les yeux, mon. Il n'y a pas fait selon les normes et que moi-même, je permets de prévenir. Même okay? Si c'est même lunettes solaires. Non, c'est. Pas maintenant, il y a des filtres, par exemple, il y a des filtres contre les ultraviolets. Quand tu vends des lunettes en magasin, il y a des normes pour gagner. Il ne faut pas déformer la vision, mon. Tandis que là, son lunette qui fait avec un morceau plastique qui est teinté, qui est transparent. Ok, elle n'a pas tenu au soleil là vraiment, mais elle n'est pas forcément bon pour les yeux. Elle n'est pas fabriquée selon les normes, son bail qui fait dans le moule. Ok, que ce, nos machines à injection, même bien nos machines qui font une bouteille Gina. C'est même c'est comme ça est fabriqué. Merci, Georges Udicourt. Ma propre, c'est PDG Belle Optique. Merci, vous avez accepté. Venez là avec nous matin hein, pour aider les auditeurs à comprendre. Merci encore une fois. Merci de l'invitation et puis toujours disponible parce que si c'est des bagages qui concernent moi. Voilà, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Georges Udico était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Passez un très bon week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.